sur le bruit de la nature. Oui, et je voulais que tu me répondasses. Est-ce que tu es prêt à tenir ta place de président de la République nouvellement élu? Oui, je le veux. Alors, Qu'ai-je dit? Tu sais que tu vas aller au palace de l'Élysée. Tu vas aller prendre ta place. T'es pas au courant? Julose, avec toi. Julose. Julose, faut que tu oses prendre ta place. Le président de la République. Comme José Murcourt. Comment il s'appelle le président de... Président... Murcia. Oui, Murcia. Oui, Murcia de Al Capone. Tu vas faire aussi bien que Murcia. T'empêches que cet homme, quand même, président de la République de quel? Uruguay. Oui, de l'Uruguay. Il vit dans une ferme et là, il donne tout son argent au peuple. Tu sais pourquoi il vit dans une ferme? Non. Parce qu'il récupère les œufs des poules. C'est tout? C'est tout. Avec des œufs de poule, il peut faire une omelette, avec deux pommes de terre, ça lui suffit. C'est ça. Dans la simplicité, hein? Et puis dans le partage avec... Et il ramasse les asperges sauvages, et il fait une omelette aux asperges. Voilà. Alors, les grandes portes sont ouvertes. Les portes du palace, du palais présidentiel, t'attends, sont grandes ouvertes. J'ai téléphoné tout à l'heure, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de problème, t'arrives quand tu veux, en grande pompe. Même si t'as pas de pompe au vélo. Mais j'arrive en retard parce que je viens sur mon âne. Oh bah alors on n'est pas rendu. Et quand il ne veut pas avancer. T'es pire que. Oh j'ai encore envie de finir. Mais dis donc, il faut aller faire les Français. Tu sais pourquoi il ne va pas avancer? Non. Parce que quand il va arriver devant le palais, on va y nettoyer le sabot et il n'est pas habitué, lui. Il n'aime pas ça. Il est tellement naturel que... J'ai envie de pépier en plus avec le bruit de l'eau. Il faut qu'on arrête, hein. Oh là là.